Alors déjà, avant tout, première chose pour commencer, je suis désolée pour la tête que j'ai. Pour vous expliquer rapidement, j'ai fait une réaction allergique à un produit que j'ai testé. Et en fait, du coup, j'ai pas mis de fond de teint et j'ai pas du tout maquillé ma peau pour essayer d'arranger ça le plus vite possible. Donc j'ai une tête de mort. I'm so sorry. Voilà. On n'en parle plus. Alors, je viens aujourd'hui pour vous annoncer le gagnant ou la gagnante du concours. Vous avez été super nombreux et nombreuses à participer. Ça m'a fait super plaisir. J'ai adoré faire ce concours avec vous. C'est le tout premier sur cette chaîne et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. J'ai vraiment adoré faire ça avec vous. Ça a été génial. Donc maintenant, on va devoir annoncer la gagnante. C'est parti. Donc, la personne qui va gagner le mascara 3D Fiber Lashes Plus sous blister tout neuf et qui va le recevoir par colis à la maison. Cette personne a été tirée au sort le 1er juin à minuit 02. Je l'ai fait super rapidement pour être sûre qu'il n'y ait personne qui participe après l'heure et qu'il soit tiré au sort quand même. Donc voilà, je me suis dépêchée de tirer au sort via un logiciel que je vous mettrai en barre d'infos d'ailleurs, le nom du logiciel que j'ai utilisé pour tirer au sort. Et donc, la personne qui gagne le mascara 3D Fiber Lashes Plus de Unique pour le concours des 100 abonnés, c'est Emeline de la chaîne Mademoiselle Lynn. Bravo Emeline, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous si tu vois la vidéo. Félicitations, tu as gagné le mascara 3D Fiber Lashes Plus que je vais t'envoyer à la maison par colis que tu recevras dans quelques jours. Et puis pour toutes les personnes qui ont participé à ce concours, je voulais vous remercier d'avoir participé, d'avoir commenté mes vidéos, de continuer à me suivre, de regarder, de liker, etc. Vous êtes franchement une communauté super gentille, adorable, etc. Franchement, je dis pas ça parce que c'est la mienne, mais je m'attendais pas à autant de gentillesse sur une chaîne YouTube. C'est peut-être bête et c'est peut-être parce que je suis de nature méfiante, mais je m'attendais pas à avoir des gens aussi gentils et aussi aimables sur ma chaîne. Donc pour ça, je vous en remercie. Je referai un autre concours, c'est sûr et certain, à l'occasion des 500 abonnés. On s'y approche grandement parce que là, du coup, j'ai regardé le nombre de mes abonnés. J'ai dépassé les 200 déjà, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Donc, je referai, c'est sûr, un concours pour les 500 abonnés. Et peut-être, alors je vais voir, je vais essayer d'organiser ça. Je vais essayer de faire aussi un autre concours entre-temps, mais qui sera ouvert seulement aux personnes qui sont déjà abonnées. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas encore abonnée et qui s'abonne juste pour le concours ne pourra pas y accéder. Ce sera juste pour les personnes qui seront abonnées avant que j'annonce le concours en gros. Comme ça, ben, ça vous laissera à vous qui me suivez vraiment beaucoup plus de chance pour gagner le lot que je vais choisir. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis, ça vous donnera un petit peu plus l'impression d'appartenir à cette petite communauté super sympa. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Je vais mettre ça en place, etc. Je ne sais pas pour comment, je ne sais pas où. Mais en tout cas, encore une fois, merci, merci, merci de me suivre. Merci de commenter mes vidéos, de donner votre avis. N'hésitez pas même à donner des avis négatifs sur des produits si vous ne les avez pas aimés. Ça peut servir, franchement, personne ne le prendra mal. Le but, c'est vraiment de partager vraiment notre avis et pouvoir faire en sorte que des personnes qui hésitent ou quoi que ce soit eh ben, puissent avoir un avis vraiment authentique et pas de juste du c'est trop bien, du nanana, acheter, acheter, acheter. Non, des fois il faut dire que c'est de la merde, des fois il faut dire que c'est pourri, des fois il faut savoir le dire qu'on n'a pas aimé parce que nous on a tel type de peau, etc. Si je vous montre ma joue, vous allez comprendre qu'il y a un certain produit que je déteste et qui va apparaître dans le top des flops de l'année, je crois. Ça va être mon top flop de l'année, le truc. Je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Et je vous laisse parce que sinon la vidéo va être ultra longue. Encore merci pour tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.